Salut tout le monde, pour ceux des gens qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Nadir Fahri, je suis d'Alger et je vis à Boston en ce moment. Je vais un petit peu mes informations à moi, mais ce vidéo là c'est un hommage à Lalou, le père fondateur du théâtre algérien. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. Il était auteur, metteur en scène et comédien. Et son vrai nom c'est Sil Ali Ali. Né en 1902 à Alger, la Casbah, et a grandi à la Casbah aussi, où dès la fin de l'école primaire, il entre dans la vie active. À l'écoute des airs en vogue à cette époque-là, il rêvait de chanter, alors il a décidé de prendre des leçons de solfège. Il était séduit par la musique dite andalouse, alors il fait la rencontre de Edmond Yekir et de Mehreddin Bachtazi, qui s'emploient alors à faire vivre l'association Al-Matrebiya, la doyenne des sociétés de musique algérienne. Alalou fait ainsi ses débuts comme chansonnier dans les concerts de Motrebiya pendant les soirées de Ramadan. Mais avant ça, sa vie artistique n'a pas commencé là. Ça a commencé, il a fait ses premiers pas sur la scène artistique, c'était en 1917, au foyer du soldat, qu'aujourd'hui c'est l'hôtel Saphir, où il dispensait comme chanteur, fantaisiste, comique, excentrique. Il donnait plaisir et bonne humeur pour les blessés et les convalescents de la Première Guerre mondiale. Mais c'est durant les concerts de Motrebiya qui lui vient l'idée de donner une note de gaieté à ses concerts en créant un genre de comique troupier, tirailleur algérien, chantant et disant des monologues qu'il composait. Alors il composait des courts sketchs écrits en arabe usuel, c'est-à-dire d'Argentina en dialectique, que tout le monde pouvait le comprendre, qui jouait avec Aziz Lekhel et Ibrahim Dahmoun sur des scènes du cinéma du quartier, c'était à Bablouet, La Casbah ou à Belcourt. Fort de cette expérience, alors il décide d'en fondre en 1925 une compagnie qu'il a appelée la Zahia, la troupe joyeuse. C'est une troupe théâtrale. C'est avec Jaha en avril l'année suivante, à la lutte dans le coup d'envoi de l'aventure de théâtre algérien, conçue en arabe populaire. La pièce met en scène un héros malicieux où la tradition algérienne dont il existe des répliques au Maghreb et au Proche-Orient. Alors, c'est avec Alalou que le théâtre national avait pris son envol, un certain 12 avril 1926, par la représentation de sa pièce, la fameuse pièce Jaha, le seuil de la création et de l'expression culturelle, et en marquant un tournant décisif dans la restauration de la sphère culturelle nationale. Après plusieurs années d'une vie trépidante au service du théâtre algérien, comme auteur, comédien, réalisateur, chansonnier, directeur de troupe, il traversait des difficultés financières. En liaison avec cette passion dévorante auteur de Jaha, et sommé par des employeurs de choisir entre son travail ou le théâtre. Ayant une famille à charge,
Il n'avait pas le choix, alors il décide en 1932 de renoncer à toute activité théâtrale sans rompre totalement avec le milieu artistique pour autant. Mais en 1945, à la demande de Mehdin Bachtazi, Alalou aussi la Léalé écrivit sa huitième pièce qui ne sera pourtant réalisée et diffusée que bien plus tard, soit le 5 septembre 1976, dans une version tronquée proposée par la radio-télévision à un instant-là, l'RTA. Ça, c'est un résumé un petit peu de sa vie, mais c'est en pleine soirée de Ramadan que Alalou avait fait son entrée sur la scène artistique. Et avec un silence qui nous quitte en 1992 à l'âge de 90 ans. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ce vidéo-là. Au revoir, à la prochaine. Yeah, I feel.